lotgenoten. Bonsoir, on a vu les orages arriver cet après-midi sur le nord-ouest. Alors pour demain matin, eh bien on va les retrouver toujours sur cet axe, en fait du nord du Bordelais jusqu'au nord de la France. Et puis à l'arrière, eh bien on aura beaucoup de grisailles. Ça c'est un petit front qui glisse sur la Bretagne et sur le Cotentin. Donc dans toutes ces régions du nord-ouest, on a un ciel un peu chaotique avec beaucoup de nuages, de temps en temps quelques éclaircies et des ondées localement orageuses. À l'avant, un ciel voilé, peut-être quelques ondées déjà sur le sud-ouest. Et puis sur l'est et sur le sud, c'est du beau temps avec simplement un petit voile nuageux, du grand soleil sur la Corse et un petit peu de vent entre 40 et 60 km à l'heure. Pour l'après-midi, eh bien cette ligne instable va avancer vers l'est, elle va se déplacer. Donc on va retrouver toujours ce mélange de nuages, de quelques éclaircies, d'averses localement orageuses. À l'arrière, c'est le retour d'un temps beaucoup plus calme avec du soleil, des passages de cumulus. Entre les deux, on a quand même un petit risque d'ondée, mais avec un ciel plus agréable tout de même. Et puis on voit que les nuages ont gagné du terrain et que évidemment le soleil se rétrécit. On aura un petit peu de ciel voilé avec un petit peu de soleil quand même sur le sud-est jusqu'à la Corse et un soleil plus large sur le golfe du Lion avec toujours un petit peu de vent. Alors les températures demain matin, eh bien elles sont en hausse, elles seront très douces. Des températures comprises entre 7 et 11 degrés sur la moitié nord et entre 10 et 14 degrés sur la moitié sud. Pour l'après-midi, ça baisse un peu, mais ça reste quand même très doux avec des températures qui varieront entre 16 et 23 degrés. On voit qu'il y a toujours de l'air très chaud sur le nord-est ainsi que sur le sud d'ailleurs où les températures varieront entre 19 et 24 degrés. Alors pour la suite, eh bien dans un premier temps la semaine sera un petit peu à l'image du week-end, c'est-à-dire avec pas mal de soleil, une petite perturbation qui arrive mardi, toujours des nuages sur les régions pyrénéennes et puis mercredi une belle journée avec un petit peu d'instabilité sur le nord-est, jeudi des nuages avec quelques ondées. Et puis à partir de vendredi, samedi et dimanche, eh bien c'est une dégradation un petit peu plus franche et puis surtout une baisse des températures. Demain, nous fêterons les fidèles. Bonsoir à tous. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. La victoire sur tous les terrains, tout le sport avec Big Mat. Big Mat, négociant en matériaux de construction. Vivez des moments forts dans tout le sport avec les shampoings Petrolan. Bonsoir, on commence ce soir par du foot et un match en retard de la 29e journée. Sochaux-Bordeaux, les Girondins se devaient de prendre absolument des points dans la course à la Ligue des Champions. Que s'est-il passé? Le résumé, Jean-Philippe Guillain. Sochaux aligne une attaque inédite, Erding, well done. Mais les deux gaillards n'ont pas la réussite d'Ilan ou Dagano, les deux absents, buteurs habituels de Sochaux. Bordeaux a besoin de points pour verrouiller sa deuxième place au classement devant Lille, 19e minute. Tarcheville s'enfonce sur l'aile droite, son centre en retrait est repris par Julien Faubert, seul à 6 mètres. 1-0 pour Bordeaux, Richert, le gardien de Sochaux, abandonné par les siens, ne peut rien faire. Moins de 10 minutes plus tard, Bordeaux renverse le jeu avec succès. Cette fois, c'est l'arrière droit David Djemali qui tente et réussit le geste du match. Sa reprise est somptueuse, 2-0 à l'extérieur, et l'on se dit que les Lyonceaux, sochaliens, vont peut-être prendre une correction mémorable. Impression confirmée dès la reprise, et cette fois c'est une action collective, Chamac-Marange, qui est conclue par Darcheville de la tête. Sixième but de Jean-Claude Darcheville cette saison, et 3-0 pour Bordeaux, une victoire synonyme de 3 points supplémentaires. Avec 64 points, Bordeaux respire mieux malgré Lille, Rennes et Marseille sur ses talons. Côté sochalien, l'énervement gagne et on comprend pourquoi. Avec ce résultat, Sochaux, 37 points, n'est toujours pas assuré de rester en Ligue 1 à 3 journées de la fin du championnat. Et ce soir, Monaco reçoit Lyon. Résumé demain dans tout le sport. Le combat des chefs à Monte-Carlo. La finale Nadal-Federer a tenu toutes ses promesses à un peu plus d'un mois de Roland-Garros. Avantage Nadal, Julien Richon. Roger Federer, Rafael Nadal en finale de Monte-Carlo. C'est le genre de match qui sent bon le printemps et les beaux jours de terre battue.
Nadal est maillot jaune, menant 3-1 dans les face-à-face qu'il oppose à Federer. Peut-être ce brin de confiance en plus qui lui permet de mieux aborder le match. Il remporte le premier set 6-2. C'est un combat de chef. Sur le court, deux titans, deux artistes, de ceux que rien ou si peu ne sépare. La partie est superbe. Et on est bien content qu'elle se prolonge. Federer, mené 5-3, s'impose finalement 7-6 dans le deuxième set. Mais Nadal, plus régulier, plus costaud, prend à nouveau le dessus sur Federer, 6-3 dans la troisième manche. L'Espagnol, tenant du titre, va résister aux tentatives du Suisse. On savait déjà que Federer avait beaucoup de talent, on sait aussi que Nadal n'en a guère moins. 7-6 dans le quatrième et dernier set. Si Villas détient le record avec 53 victoires d'affilée sur terre battue, Nadal en est déjà à 42. Federer et Nadal sont les deux grands bonhommes de la petite balle. Dans un mois, Roland-Garros et encore du beau jeu. Pour les plaisirs du jour et à venir, merci messieurs. Et chez les filles, mauvaise nouvelle pour la France. À Nancy, les Françaises se sont inclinées au premier tour face à l'Italie. Tout avait mal débuté après la défaite surprise de Mauresmo opposée à Chiavone. Et Nathalie Dechy n'a pas pu redresser la barre contre Penetta. Défaite 4-6, 2-6. La France est donc éliminée de la Fed Cup. Lui n'a pas raté son rendez-vous. Michael Schumacher a signé à Saint-Marin la 85e victoire de sa carrière à l'issue d'un beau duel avec Alonso. Mais après 4 courses, l'Espagnol reste leader au classement. Elisabeth Braconnier. On prend les mêmes et on recommence, mais dans l'ordre inverse. Cette année, c'est Schumacher sur la première marche du podium et Alonso sur la deuxième. À Imola, on ne double pas. L'Espagnol en a fait les frais. Imola, c'est aussi l'un des circuits les plus difficiles au monde, la preuve. Premier tour, premier accrochage entre le japonais Hideu et le hollandais Albers, sans gravité. Au deuxième départ, Schumacher est toujours en tête. Alonso, quatrième, refait son retard. Il lui faut 33 tours pour revenir au contact de l'Allemand. Il ne le lâchera plus. Mais à Imola, la course se joue souvent au dernier ravitaillement. 41e tour, Alonso s'arrête le premier pour essayer de reprendre l'avantage. 42e tour, c'est Schumacher qui est au stand. Il en ressort avant l'Espagnol du grand art. Alonso trépigne, Alonso bouillonne. À 3 tours de l'arrivée, il frôle la sortie de route et rend les armes. 8 points, c'est mieux que rien. L'Espagnol assure la deuxième place et laisse la victoire à Schumacher. L'Allemand n'avait plus remporté de grand prix depuis celui des États-Unis en juin 2005. Sur deux roues, avec la Liège-Bastogne-Liège, et une victoire pour l'histoire. Valverde est en fait le premier Espagnol à remporter cette classique de prestige. Voici tout de suite Libère en plein chaud, Thibaut Riesman. Lui, c'est l'homme en forme du moment. Alejandro Valverde réalise l'exploit à l'arrivée du Liège-Bastogne-Liège. 4 jours après sa victoire lors de la Flèche Wallonne, l'Espagnol réussit 2 fois le même coup, s'imposer dans une arrivée en côte. Après 260 km de course et toujours dans le peloton de tête, Valverde assoit tout le monde dans les derniers mètres. Sur la ligne, il devance les deux Italiens Paolo Bettini et Damiano Cunego. Je savais que la course allait être difficile, mais je rêvais de la gagner et de remporter au moins les deux grandes classiques de cette saison. Maintenant, je vais me reposer, rester au calme et je vais attendre le Tour de France sans pression. Pour la dernière classique de la saison, Valverde endosse le maillot blanc de leader du classement provisoire UCI Pro Tour. Il devient aussi le premier Espagnol vainqueur de l'épreuve. Lui a réussi là où Indurain et Iban Mayo ne se sont jamais imposés. On connaît l'adversaire de Biarritz pour la finale de la Coupe d'Europe de rugby qui se jouera le 20 mai prochain. Cet après-midi, le Munster en rouge s'est imposé face à Leinster, 30-6. Ouvreur Ogara et Le Pack ont été les grands artisans de cette victoire. Attention à ces Irlandais qui ont déjà été finalistes en 2000 et 2002. Le reste de l'actualité sportive de ce dimanche et on commence par les 24 heures du Mans Moto. Elisabeth Braconnier, Thibaut Riesman. Suzuki Yamaha, c'est le tiercé dans l'ordre des 24 heures du Mans Moto. L'équipage Honda, composé des Français Prota et Four et de l'Espagnol Ribalta, gagne l'épreuve avec 2 tours d'avance. Honda remporte son 11e titre au Mans, 6 ans après sa dernière victoire dans la Sarthe. Strasbourg en rouge, tranquille. Victoire alsacienne 92 à 80 face à Bourg-en-Bresse. L'homme du match, Kezel Wesson, inscrit à lui tout seul 25 points. Strasbourg rejoint Nancy à la 2e place du classement de Pro A. Et Gravelines, en fin d'après-midi, s'est imposé aussi face à Rouen.
Première participation et première victoire pour Félix Limo au Marathon de Londres. Une victoire au sprint en 2 heures, 6 minutes et 39 secondes pour le jeune Kenyan. Côté éthiopien, la déception est énorme. Haïlé Gebrselassie s'est effondré à 5 km de l'arrivée. Le recordman du monde du semi-marathon termine 9e. Demain, vous retrouvez à 20h10 Henri Sagnier, tout de suite Lucky Luke. On se quitte avec ces images de joie du côté de Nancy. Les Lorrains, 28 ans après la Coupe de France, ramènent un autre trophée, la Coupe de la Ligue. Une Coupe de la Ligue qui risque d'être fêtée jusqu'à tard dans la nuit du côté de la place Stanislas. 12 soirées sur France 3. C'était tout le sport avec les shampoings Pétrolane. La victoire sur tous les terrains, tout le sport avec Big Mat. Big Mat, négociant en matériaux de construction. Il a déjà envoyé son ombre 6 pieds sous terre. Alors à qui le tour ? Lucky Luke dégaine, tout de suite sur France 3. Aujourd'hui, Consomag vous explique comment bénéficier du permis de conduire à 1 euro par jour. C'est quoi le permis à 1 euro ? Ça doit être une offre pour les jeunes. Si ça n'avait pas existé, il aurait fallu sortir peut-être 1000 ou 1200 euros d'un coup. En effet, passer son permis coûte aujourd'hui très cher. Difficile alors pour certains de financer le précieux sésame, bien souvent exigé pour décrocher un emploi. L'État a donc lancé le permis à 1 euro par jour. Le permis à 1 euro par jour s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans. Concrètement, le jeune se rend dans une auto-école, se fait faire un devis, présente ce devis à la banque et obtient un prêt. Les intérêts sont pris en charge par l'État. Les fonds du prêt sont versés directement à l'auto-école et le jeune rembourse à raison de 30 euros par mois, soit à peu près 1 euro par jour. Les candidats devront passer un test d'aptitude facturé en moyenne 40 euros par l'auto-école, une somme non couverte par l'emprunt. Autre limite, les critères d'obtention du prêt. Si on fait une demande de prêt dans une banque, la banque peut refuser le prêt, elle n'est absolument pas obligée de l'accorder. Et d'autre part, la banque demande une caution si le demandeur n'a pas de revenus. Dans le cas d'un jeune qui n'a pas de tierce personne, il n'aura pas droit à demander ce prêt. C'est un dispositif qui est intéressant, mais qui n'est pas parfaitement adapté au public qui avait été ciblé au départ, puisque les jeunes qui sont en difficulté pécuniaire vont être exclus de celui-ci. C'était Consomag avec l'Union féminine civique et sociale. Michel Galabru. Mon fils, c'est tous des voyous. Chahuté par de la graine de fripouille. L'inoubliable épisode historique de la guerre des boutons. Demain à 15h sur France 3.